Bonjour, je m'appelle Loïc Rocher-Laurenceau. J'ai passé les concours qui m'ont permis d'entrer en école d'ingénieur et d'entrer à l'école des Grandes Mines de Nancy en 2016. J'y ai passé 2 ans et l'année dernière, j'ai donc pris une année sabbatique. Je suis parti traverser l'Amérique latine et l'Europe. Cette année, je termine ma formation d'ingénieur aux mines en faisant un stage dans la gestion des inondations et je vais l'année prochaine rentrer à Sciences Po dans un master de stratégie territoriales et urbaines. Ce qui me plaît, c'est la possibilité d'avoir un parcours qui nous ressemble, soit d'un point de vue associatif, mais aussi d'un point de vue pédagogique. Je voulais savoir comment construire le monde, au sens littéral comme au sens figuré. Cette approche de la Terre et des risques, c'est au sein du département géo-ingénierie que je l'ai trouvé. Ce que j'ai vu aux mines d'un point de vue scientifique, technique, mathématique, je vais le voir maintenant à Sciences Po d'un point de vue historique, politique, social, de manière à pouvoir comprendre toutes les facettes d'un problème et essayer de trouver les solutions qui nous semblent les plus optimales. Notre société fait face à de nombreux maux et de nombreuses crises, et je pense qu'une partie des solutions prend racine dans une bonne gestion de l'urbanisme et dans des bonnes gestions de stratégie territoriale. Au sein des mines de Nancy, il y a un aspect de communauté. On connaît toutes les personnes de la promotion dans laquelle on est, mais également une diversité de parcours parce que l'école nous permet de faire des choix et de nous permet de construire un parcours qui nous fait plaisir. Je veux sauver le monde. Concrètement, je veux faire tout mon possible pour trouver des solutions aux problèmes auxquels on fait face. Je dirais découverte, aussi bien de moi que des autres, et ouverture.